qui sont très insensibles à ce qu'on dit. Ils ne réagissent pas quand on dit des conneries. Par exemple, si on dit que quelqu'un est un con, ou une connasse, ou un débile, alors là, il y a une réaction. Donc, ils ont la possibilité de réagir dans des cas limites. Donc, ils prouvent ainsi qu'ils peuvent réagir, mais sur la plupart des choses, ils ne réagissent pas. Et ça, c'était un problème aussi dans d'autres domaines. Au niveau olfactif, par exemple, il y a des personnes qui vont réagir très tôt. Dès qu'il y a la première menace olfactive, ils vont réagir. Et donc, ils vont réagir très tard. C'est-à-dire qu'ils vont réagir quand ça a pris des proportions absolument extraordinaires. Par exemple, ils voient de la merde sous leurs yeux, ça, ils vont réagir. Ils voient quelque chose qui est sali par la merde, ils vont réagir. Mais s'il n'y a pas de ce phénomène aussi marquant, il n'y aura pas de réaction. Eh bien, nous avons souvent des problèmes de ce genre-là, des femmes qui ne réagissent pas quand on leur dit un certain nombre de choses, mais si on emploie des mots précis comme connasse, alors là, elles vont réagir. Donc elles ont un niveau de réaction extrêmement limité, extrêmement étroit, et c'est vrai aussi pour les hommes de la même manière.